Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli cœur entrelacé au crochet. On va le travailler en deux parties, deux couleurs différentes. Moi, personnellement, j'ai décidé d'en faire un porte-clés. Vous pouvez en faire un porte-alliance, vous pouvez en faire un pique-aiguille, vous pouvez en faire aussi un porte-monnaie, donc on ne fermera pas la partie du haut. Vous pouvez faire plein de jolies choses avec. Je vais vous donner la taille du mien. Donc, pour ceux et celles qui désirait faire avec les mêmes cotons que moi et le même crochet. Donc ici, au plus large, on a 9,5 cm. Et sans compter, je ne compte pas la petite chaînette, ici au centre, on a 8,5 cm. Donc pour ça, vous allez avoir besoin. Personnellement, j'ai décidé de faire avec le blanc, le fil coton 3 de fil d'art en blanc. Donc les quantités, je ne peux pas vous dire, elles sont minimes, c'est pas énorme. J'ai pris également de fil coton 3, de fil d'art couleur vitamine, pour la deuxième partie du corps, du cœur. Vous aurez besoin de watts, si vous décidez d'en faire un porte-clés ou autre chose pour le rembourrer. Personnellement, au lieu de travailler avec le crochet numéro 3, comme je fais d'habitude avec le coton 3, j'ai travaillé avec le crochet 2,5. Pour que mes mailles serrées soient justement bien serrées et qu'on ne voie pas la ouate à travers, que la ouate ne puisse pas être vue ni passer. Donc j'ai travaillé avec le crochet 2,5. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez les liens directs pour le coton 3. Alors la difficulté de ce cœur, je vous le dis comme ça maintenant, il est très simple à réaliser. Les deux premières parties, donc les deux parties de couleurs différentes, sont très simples à réaliser. Ça faisait un moment que je voulais vous le traduire, mais à chaque fois j'hésitais, ça fait un bout de temps que j'hésitais à le faire, parce que les parties les plus compliquées, en fait, ça va être quand on va devoir donc les entrelacer. C'est pas compliqué, mais il faut vraiment bien se concentrer et puis voir à plusieurs reprises. Cette partie-là va pas forcément être très agréable. Et la partie la plus, vraiment, moi personnellement, j'ai vraiment trouvé la plus pénible, c'est les coutures. Les coutures sur tout le tour, parce qu'on va devoir, par exemple ici, faire en blanc. Sans oublier que là, on a du orange. Là, on a de nouveau du blanc. Donc, je vous ai montré un petit peu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour vous montrer comment, moi, j'ai procédé pour obtenir ce résultat-là. Si vous avez une autre solution, une autre façon de faire, allez-y. Parce que c'est vraiment le résultat est superbe. Mais c'est les deux seules parties qui sont vraiment les plus pénibles de ce très joli cœur. Le pourquoi, j'avais vraiment hésité un sacré bout de temps avant de vous le traduire. Là, j'ai pris le temps. Donc, en espérant vraiment que j'aurais pu vous aider également pour les coutures. Donc voilà ce qu'on va faire. Commencer par positionner son fil dans ce sens-là. Faire le tour de son doigt. Sortir un peu la boucle. Passer le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus. Maintenant, on va faire 30 mailles chaînettes. 30, donc 30 mailles chaînettes. Pour le prochain tour, on va passer ici la première maille qui se trouve juste sous le crochet, on va dans la deuxième. Donc, on rentre, on ramène un jeté, une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette. Donc là, on en a fait une. On va en faire au total 28. Donc, on a une... deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9,
10. Je vous laisse en faire 28. Donc ici, j'ai fait 28 mailles serrées de suite. Dans la dernière maille qui nous reste, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Une. Deux. Trois. Maintenant, on va travailler de l'autre côté de nos mailles chaînettes. Donc, on va tourner un petit peu notre travail. On a ici le fil qui nous reste. Je vais essayer de bien vous le montrer. De la maille que nous avions. C'est là où on va travailler. Donc, on prend ici la première. Et là, de ce côté, on va également faire 28 mailles serrées. Je profite pour coincer mon fil de départ. Donc, une. On prend bien le fil qui nous reste de la maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc ici également, je vous laisse en faire 28 de suite. Quand on a refait nos 28 mailles serrées de suite, de notre dernière maille, on va rajouter 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. On va terminer notre tour. On a ici la première maille serrée de départ. On va terminer avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air. On va revenir dans le même espace où on a fait la maille en l'air. On fait une première maille serrée. Ici, au total, à nouveau, on va faire 28 mailles serrées de suite. Donc, on a la première. La 2, la 3, 4, 5. Je vous laisse en faire 28 de suite. Quand on a nos 28 mailles serrées de suite, ici dans les trois prochaines, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc on va dans la maille serrée suivante, on en fait 2 dans la même. Dans la suivante, on fait également 2 dans la même. Et dans la suivante, également 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va de nouveau refaire 28 mailles serrées de suite. Quand on a refait nos 28 mailles serrées de suite, ici, il nous reste 3 mailles serrées. On va faire la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Ça veut dire que dans les 3 prochaines, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. 2 dans la suivante. Et 2 dans la dernière. On va terminer notre tour. On a ici la première maille serrée de départ avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace et on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 26 mailles chaînettes. On reprend ici notre travail.
Là, on va passer 26 mailles serrées et on va s'accrocher à la 27e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On passe 26, on va dans la 27e. Et on fait une maille serrée. Alors maintenant, on va faire 2 mailles serrées ensemble dans la maille suivante. Une seule. On a fait ça une fois. On doit le faire 3 fois. Donc de nouveau 2 dans la même. Une seule. On l'a fait 2 fois. 2 dans la même. Une seule. On l'a fait 3 fois. On va dans la maille qui se trouve juste devant avec une maille serrée. On va refaire 26 mailles chaînettes. On reprend à nouveau notre travail. On va faire ce qu'on a déjà fait. On va passer 26 mailles, on va s'accrocher dans la 27e. Donc on est ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On va dans la 27e. Avec une maille serrée. Ce qu'on a fait ici pour tourner, c'est ce qu'on va répéter également ici. Ça veut dire que dans la première qui suit, on va faire 2 dans la même. Et une seule devant. Donc on l'a fait une fois. 2 dans la suivante. Une seule dans la suivante. On l'a fait 2 fois. 2 dans la suivante. Et une dans la suivante. Donc on l'a fait 3 fois comme on a fait de l'autre côté. Pour terminer le tour, on a ici notre première maille serrée de départ. On ferme avec une maille coulée. Alors pour le quatrième tour, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace et on fait une maille serrée. Ici, nous avons 26 mailles chaînettes. On va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc, on a ici la première. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6. Je dois se faire donc 26 de suite. Alors quand on a fait nos 26 mailles serrées de suite, on va ici dans notre première maille serrée que nous avons là devant, faire une maille serrée. Ensuite, on va répéter 3 fois la même chose. 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. Donc on l'a fait une fois. De nouveau, 2 seules. 2 dans la même. De nouveau, 2 seules. 2 dans la même.
Donc là, on l'a répété 3 fois. De la maille serrée suivante, on fait simplement une maille serrée. Ici, vous avez compris, on va de nouveau travailler maille serrée, une maille serrée dans chaque maille chaînette. On en a 26. On va quand même les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je les ai comptés en même temps que je travaillais. J'ai bien mes 26 mailles serrées. Donc ici, dans notre première maille serrée, on va faire une maille serrée. Ce qu'on a fait ici pour tourner, on va répéter exactement la même chose de ce côté-là. On va faire donc deux premières mailles serrées, une dans chaque. Et deux dans la suivante. De nouveau, deux seules. Et deux dans la suivante. Donc on l'a fait deux fois, on doit le faire une dernière fois. Deux seules, deux dans la suivante. Pour terminer le tour, on va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Actuellement, ça commence à ressembler à ça. Alors pour le tour numéro 5, on va faire une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Là, j'ai décidé de la marquer parce que j'ai tendance à ne pas la voir quand je repasse, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on a fait notre première maille serrée. Au total, on va faire 28 mailles serrées de suite. Donc là, on a fait une, on va dans la suivante, deux, suivante, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse en faire 28 de suite. Quand on a fait nos 28 mailles serrées de suite, là on va répéter 3 fois le même procédé. On va faire, dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. On va faire 3 seules. Une, deux, trois. Donc on l'a fait une fois. On recommence deux dans la suivante. Et de nouveau 3 seules. Donc on l'a fait deux fois. Deux dans la suivante. Et 3 seules. Ici, de nouveau, on va refaire 28 mailles serrées de suite. Donc, on compte bien. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Donc je vous laisse en faire 28. Quand on a fait les 28, on va répéter la même chose qu'on a fait de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va d'abord commencer par 2 mailles serrées dans la même. 2. Et 3 seules. 2 dans la même. 3 seules.
2 dans la même, et 3 sol. Pour terminer le tour, on va aller dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Pour le tour numéro 6, on va faire une maille en l'air, on revient dans le même espace avec une maille serrée. Il n'y a pas besoin de la marquer, mais c'est pratique quand on ne voit pas grand-chose. Là. On va de nouveau faire 28 mailles serrées de suite. Donc on a fait la première. Et on repart pour 28 au total. Donc 2, 3, 4. Je vous laisse faire les 28. Maintenant qu'on a fait les 28 mailles serrées de suite, ici, de nouveau pour tourner, on va faire un motif à répétition. On va commencer par faire 2 mailles serrées sol. Donc une et la deuxième. On a fait 2 sol, on va faire 2 ensemble. 2 dans la même. Une, 2, et on va terminer de nouveau avec 2 sol. Une, 2. On l'a fait une fois, on doit le faire 3 fois. Donc on recommence 2 sol, 1, 2, 2 dans la même, 1, 2, et pour terminer, 2 sol, 1, 2. On l'a fait 2 fois. On doit le faire une troisième fois. Donc 2 sol, 1, 2, 2 dans la même, de nouveau 2 sol pour terminer. Maintenant, ici, vous avez compris qu'on va refaire 28 mailles serrées de suite. On doit les compter. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse en faire 28. Quand on a fait nos 28 de suite, on va répéter la même chose qu'on a fait ici pour tourner. Donc, on va commencer par 2 sol. 2 dans la même. Et on termine par 2 sol. Donc on l'a fait une fois, on doit en faire 3. Donc on reprend avec 2 sol, 2 dans la même, de nouveau 2 sol. On reprend avec 2 sol, 2 dans la même, pour terminer avec 2 sol. Donc ici, on rentre dans notre première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Alors pour le septième et dernier tour, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une première maille serrée. Là, de nouveau, on va faire au total 28 mailles serrées de suite. Donc ici, j'ai la première. On va en faire 28 comme on l'a fait jusqu'à présent. Quand on a refait nos 28 mailles serrées de suite, alors ici, pour tourner, on va faire... On va commencer par 5 mailles serrées seules. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 seules, 2 dans la même. 1 et une deuxième. On l'a fait une fois, on doit le faire 3 fois. Donc 5 sol, 1, 2, 3, 4, 5 sol, 2 dans la même. On reprend 5 sol, 3, 4, 5, 2 dans la même. Maintenant, à nouveau, on va refaire 28 mailles serrées de suite. Quand on a refait les 28, on va répéter la même chose que là pour tourner. Donc, on va commencer par 5 sol.
2, 3, 4, 5, 2 dans la même. On l'a fait une fois, on doit le faire 3 fois. Donc 5 seuls. 2, 3, 4, 5, 2 dans la même. 1 et 2. 5 seuls. 5 et 2 dans la même. 5, 2 dans la même. On rentre dans notre première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Personnellement, je vais couper une bonne longueur, voir si j'arriverai à faire quelque chose après avec. On tire dessus. Alors maintenant, vous avez compris que vous devez faire un deuxième à l'identique, d'une autre couleur, ce qui n'est pas plus mal, pour faire justement le joli... La différence de couleur. Donc là, j'en ai déjà deux de fait. Je vais vous montrer maintenant comment les assembler. Alors maintenant qu'on a les deux parties terminées, donc on va les plier à moitié. On va mettre le côté à l'endroit vers nous. On va plier la deuxième aussi. Je vais aller doucement parce que pour moi, c'est la partie la plus difficile, si je puis dire ça comme ça. Alors on va les entrelacer. On va prendre ce côté-là. On va prendre également celui-là. Et on va faire passer à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on prend celui-là, qu'on fait passer ici à l'intérieur. Et on reprend ce côté-là, qu'on fait passer ici à l'intérieur. Alors personnellement, ce que je vais faire, parce que ça va bouger tout le long, c'est que là je vais prendre simplement un petit repère que je vais coincer pour pas que ça bouge, pour éviter que ça ne bouge à chaque fois que je vais déplacer sans abîmer. Voilà, ok. Maintenant, je vais prendre ce côté-ci, je vais le faire traverser cette partie-là. Comme ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais le faire traverser celui-là. Là, on va y arriver. Et je vais prendre celui-là. Je vais faire traverser là. On y est presque. Alors maintenant, on va prendre celui-là. Lui faire traverser ici. On prend celui ici au centre, on le fait traverser de ce côté-là. Et on prend ici donc notre dernier, et
on fait traverser celui-là également. Donc là, on essaie de bien tout mettre à niveau. Actuellement, ça nous donne ça. Le fait d'avoir positionné quelque chose ici pour accrocher, c'est ça reste malgré tout compliqué, mais c'est plus simple que si je n'avais pas mis mon petit repère. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les coutures sur tout le tour, puisqu'on va devoir... On va devoir coudre, ce qui est logique, ce que je viens de dire, désolé. Mais on va devoir cacher également. Donc, on doit coudre cette partie qui est à l'intérieur avec notre travail, en fermant bien cette partie-ci. Mais il faut également coudre la partie qui se trouve à l'intérieur, là, pour pas qu'elle bouge après. Donc là, je vais juste finir de tout bien positionner correctement pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, on va passer aux coutures. Donc après avoir bien tiré sur tous vos petits bouts pour être sûr que tout est bien plat, voilà. J'ai pris donc une aiguille à coudre. Et je vais commencer de ce côté-là parce que c'est le plus près de la descente. Donc je vais prendre les deux fils de l'autre côté. Je vais faire pareil, donc deux d'un côté... deux de l'autre. Et là maintenant ici au même temps, je vais prendre donc mes fils et je vais également prendre la partie de couleur qui se trouve à l'intérieur. Bien prendre la partie de couleur avec. Alors ici, je ne vais pas coudre avec le blanc, mais je vais faire passer le blanc en dessous, voilà.
Je vérifie quand même parce que c'est pas. Voilà. La partie est bien cousue, ça risque pas de bouger. Je fais un deuxième petit passage juste pour que ça se tienne vraiment bien. En prenant bien donc la couleur avec. Personnellement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc ici, on n'avait pas cousu. Ça veut dire que si on tire un petit peu, il y a une petite ouverture. Pour m'éviter, parce que moi, les coutures, c'est pas du tout mon truc. Pour m'éviter de refaire ensuite un nouveau passage d'une couleur différente, ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser cette petite partie-là de couleur et je vais fermer cet espace-là, comme je suis en train de le faire. Donc ici, mon espace est fermé. Je peux remettre la partie de couleur dessus. Là. C'est bon. Donc comme ici il me reste encore pas mal de fils, je vais profiter pour fermer tout le côté blanc ensemble. Mais comme là je repasse déjà sur des points que j'avais déjà fait, c'est un peu plus délicat. Par contre, si vous décidez d'en faire un porte-monnaie, automatiquement, il ne faut pas fermer tout le haut, il faut laisser l'ouverture nécessaire pour mettre une fermeture ou un bouton. Moi, comme je compte en faire un porte-clés, je vais tout fermer. Voilà, enfin, vous avez compris, c'est la partie la plus délicate du truc. Là, donc, personnellement, je vais profiter, tant que j'ai du fil, pour fermer jusqu'au blanc. Ensuite, ici, ce que j'ai fait là avec le blanc, je vais faire la même chose avec la couleur orange. Je vais également coudre ici cette partie qu'on ne voit pas en orange. Et je vais laisser une petite ouverture par là pour pouvoir mettre la ouate. Alors, avant de finir avec le rembourrage, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai réussi à faire. Entre-temps, parce que c'est vraiment la partie la plus casse-tête. Alors, quand j'ai fait également la même chose de ce côté-là, j'ai pris du fil blanc, on voit ici que j'ai pris du blanc,
Et j'ai cousu également cette partie en blanc, parce que c'est la partie qui bougeait. Avec le même fil, j'ai cousu également cette petite partie-là en blanc pour pas qu'elle bouge avec le temps. Et avec le orange, j'ai fait pareil. Cette petite partie qui bougeait, je l'ai également cousue. On voit ici qu'on peut malgré tout mettre donc de la ouate ou autre chose. C'est vraiment la partie la plus compliquée, pour moi personnellement en tout cas. Alors maintenant, comme j'ai décidé d'en faire un porte-clés, je vais simplement mettre de la ouate à l'intérieur. Donc dès que j'aurai bien rembourré mon petit cœur, ici avec le fil qui me reste de la couleur orange, je vais tout simplement finir de coudre cette partie-là. Donc quand vous avez fini avec la ouate et les coutures, actuellement ça vous donne ça. Donc ici, j'ai pris les deux couleurs parce que je n'arrivais pas à me décider. Je vais laisser vraiment un long bout. Parce que plus on a de fils, plus on laisse de fils, plus c'est simple à cacher et moins de risques il y a en cas d'accident. Je vais donc ici au centre de mon cœur. Je ramène mes fils. Un et deux. Donc ces deux-là, c'est ceux qu'on va devoir ensuite cacher à l'intérieur. Comme il y a exprès beaucoup de fils, c'est plus simple à faire. Je retourne dans le même espace. Je ramène. Et là, je vais faire des mailles chaînettes. Un nombre de mailles chaînettes que je désire pour la petite boucle. Donc là, j'en ai fait 17. Donc là, au total, j'en ai fait 20. Quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond donc à la taille de votre boucle, on va tout simplement rentrer dans l'espace où on avait démarré. Ramener notre fil, pas forcément évident, et faire une maille coulée. Là. On fait une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur. On tire dessus. Donc maintenant ici, on va devoir cacher tous ces petits fils. Je vais vous montrer personnellement comment moi je fais. Donc ici, j'ai pris une aiguille à coudre. Comme je suis avec le blanc, je vais cacher mon blanc du côté blanc, ce qui est assez logique. Les autres, je les ai déjà cachés. Donc, si vous avez une autre façon, allez-y. Moi, c'est vraiment celle que j'ai trouvée moi, celle qui me convient le mieux. Donc, je rentre simplement dans le blanc. Je vais éloigner le plus loin possible le fil de la fin de notre travail.
Donc je vais simplement un petit peu devant, pas qu'on voie que j'ai fait de la couture. Je vais ressortir encore plus loin. On tire doucement, pas donner, pas que ça abîme. Et on fait encore une dernière fois, puis ça devrait être bon. Et là. Maintenant, pour couper, là, on tire un petit peu sur notre fil. On coupe. Et comme on a tiré sur le fil, il s'est caché directement à l'intérieur. Donc quand on a bien caché tous les fils qui nous restent, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.